Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Emeline Cuisine. Alors aujourd'hui, je vous propose de réaliser un fricassé de wasu. J'ai pas trouvé les wasu que je voulais, c'est-à-dire je voulais quelque chose de frais, mais je n'ai trouvé que du surgelé. Donc j'ai dit qu'on va faire avec ce qu'on a. L'essentiel, c'est de se faire plaisir avec un brin de créativité. Alors, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas, abonnez-vous. Pensez à activer aussi cette cloche afin de ne rater aucune de mes vidéos. Alors, petit disclaimer, je ne suis pas une professionnelle. J'aime la cuisine énormément et j'aime partager ce que je connais. Alors, sans plus attendre, nous allons passer aux ingrédients de la recette. Let's go! J'ai commencé par assaisonner 800 g de wasu, un peu de sel, de l'huile, un peu de poivre, deux tomates que j'ai concassées. Dans le mortier, j'ai deux oignons, quatre gousses d'ail et quelques grains de poivre. J'aurai besoin d'une cuillerée à soupe de sauce tomate, du sel, des cives ou ciboules et du persil haché. Dans une sauteuse, je fais revenir des herbes aromatiques. J'ajoute le mélange oignon, ail et poivre. Je précise pour certains qui se poseraient la question, c'est de l'oignon rouge. Je n'avais plus d'oignon blanc à la maison. J'aime bien le rouge parce que le goût est moins fort que l'oignon blanc. Les herbes de Provence. Les tomates concassées. Le concentré de tomates.
c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être resté jusqu'au bout avec moi. Et peut-être que vous aurez aussi envie de cuisiner le fricassé de poisson. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker la vidéo, partagez-la. Moi, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Ciao !